Docteur Touré Ali, je suis le PDG de Obu X Bénin. Sur ce site, ici, nous produisons des briques écolo, des briques en terre stabilisée, compressée, d'un type exceptionnel, d'un type qui n'existe pratiquement pas dans la sous-région ici. Nous avons une expérience avec des collaborateurs de plus de 15 ans sur laquelle nous nous basons pour pouvoir sélectionner, faire le mélange du sol et le stabiliser, le compresser avec une machine que nous avons ici qui est d'un type assez exceptionnel, qui nous permet d'obtenir des briques d'une consistance qui est totalement supérieure aux briques conventionnelles. Les normes sont des normes qui sont semblables aux normes qui sont exigées pour des constructions de plusieurs étages au Canada, par exemple. Nous n'avons pas encore ces normes au Bénin, mais nous avons cette technologie-là qui est présentement disponible à tout le monde qui veut construire ici au Bénin. Ce que nous faisons, nous sélectionnons des types de matériaux, le sol en particulier, nous le sélectionnons, nous le traitons. Et bon, le traitement, c'est des trucs simples, c'est généralement le tamisage. Maintenant, nous allons mélanger différents types de sol avec des gravillons et autres et compresser avec une force d'un minimum avec la machine à presse d'au moins 15 tonnes, qui va nous donner des briques qui sont suffisamment solides, mais ils ne peuvent pas être utilisés immédiatement. Nous les gardons, on les laisse cuire lentement à l'ombre pendant près de 4 semaines avant qu'ils ne soient utilisés. Et après ce temps, leur force, leur consistance est testée par la plupart des ingénieurs, ont prouvé qu'ils sont beaucoup plus solides que les briques conventionnelles qui sont fabriquées dans la sous-région. L'approche est simple, hein. Vous contactez Ubu X Bénin et vous venez, nous on est une entreprise où nos portes sont toujours ouvertes, vous nous appelez et vous venez visiter notre processus de fabrication et vous pouvez directement toucher aux produits que nous avons et pouvoir, si vous voulez, emporter des échantillons pour aller tester vous-même et s'assurer de la qualité du produit que nous produisons, des produits que nous avons. Ces briques-là ont été conçues non seulement pour économiser de ciment lors de la fabrication des briques, mais aussi lors de la construction. Et nos maçons ne sont pas habitués à construire avec ces briques et ils ont besoin d'un minimum de formation avec nous. Ça peut prendre juste quelques jours pour qu'ils puissent utiliser ces briques-là. La raison est simple, c'est que quand on ne les forme pas, ils prennent ces briques, ils utilisent leur méthode conventionnelle de construction où ils gaspillent énormément de mortier, donc de ciment. Donc vous formez, on les forme pour qu'ils puissent économiser le mortier et donc faire de l'économie aux propriétaires. Et il faut dire que Ubu X ne produit pas que ces matériaux de construction. Nous faisons le design, nous faisons le design et nous implémentons, nous construisons aussi pour les gens. Donc nous pouvons vous faire quelque chose clé à la main. Si vous nous prenons le Béninois à cette manie-là d'appeler l'autre, la birque conventionnelle, le durable, ou bien, comment dit-on, ça doit avoir une expression, à opposer à la brique en terre qui n'est pas durable. Mais nous, on a testé ces briques conventionnelles par rapport à nos briques avec, et nos briques se sont montrées dans tous les tests d'écrasement et autres bien supérieurs aux briques conventionnelles. Et ces briques-là, pour souvent rigoler, on dit que quand on vous utilise nos briques, vous en avez
si vous construisez correctement, vous en avez pour 1000 ans. Si éventuellement 999 ans après vous avez un problème, revenez nous voir. Donc c'est un peu ce que nous voulons. Je demande donc à la population béninoise de commencer par changer de paradigme et de constater que la technologie de la Terre a fondamentalement avancé. Il y a encore des gens qui pensent que le matériau construit avec de la terre est un matériau pour pauvres. Trompez-vous, vous vous trompez largement. Les constructions en terre, par exemple au Canada, c'est seulement pour les riches. Pour la simple raison que la main-d'œuvre coûte très cher au Canada. Et comme la main-d'œuvre coûte relativement moins cher au Bénin, nous arrivons à produire ces matériaux, nous arrivons à faire ces constructions et on bat les prix des constructions conventionnelles avec 10 jusqu'à 30%. Nous vous le garantissons. Vous pourrez nous contacter au 97 39 57 81 ou vous pouvez me contacter à Ali Touré A2LYTOURE @gmail.com. Population du Bénin, voici enfin la solution à vos problèmes de construction. Chers entrepreneurs, chers techniciens des travaux publics, chers propriétaires terriens, réalisez vos rêves en matière de construction avec Ubu Ins Bénin. Ubu Ins Bénin est une filiale de Ubu Ins, une entreprise d'éco-design basée à l'Ontario, au Canada. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels? Avec Ubu Ins Bénin, c'est l'utilisation des géomatériaux de construction locaux pour les constructions de bâtiments commerciaux et résidentiels durables et économiques. Une construction de Ubu Ins Bénin, c'est 100 ans de durabilité et résistant aux insectes et aux tremblements de terre. Grâce aux briques anti-compressées stabilisées, la mosquée de Al-Mehdi en Arabie Saoudite a été construite en 7 semaines. Quelle aubaine! Ubu Ins Bénin, c'est aussi la production agricole avec des techniques traditionnelle et adéquate. Où se trouve le siège de Ubu Ins Bénin? Rendez-vous à Toribocito, dans l'arrondissement de Torikara, au quartier Lokosa. Pour tout renseignement complémentaire, contactez les numéros suivants. 97 39 37 81 ou le 97 36 26 82. Construit avec les briques anti-compressées stabilisées, c'est vivre le paradis sur terre et c'est désormais possible avec Ubu Ins Bénin.